Et salut tout le monde, c'est Monsieur Thèse, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur For Honor. Donc voilà, je n'ai rien de plus à dire. Donc là, j'attends que le live se lance. Vous avez capturé la zone C. Excusez-moi. Je vérifie que mon live tournait bien. Oh non. Ah mais sérieux. Capturer la zone C. Sérieux? Vous avez perdu la zone C. Vous avez capturé la zone A. Ça saoule.
zone A. La zone A. Salut. T'es moche. Cool.
Vous avez capturé la zone C. Vous avez capturé la zone A. Vous avez perdu la zone A. Vous avez perdu la zone C. Capturez la zone C. Vous avez perdu la zone C. Vous avez capturé la zone C. Vous avez capturé la zone A. Vous avez perdu la zone A. Tu écris, tu offres les ordres. Vous avez perdu la zone C. Vous avez capturé la zone A. Vous avez capturé la zone C. Vous avez capturé la zone C. Je ne sais pas. Vous avez perdu la zone A.
perdu la zone A.
Deuxième manche. Troisième manche. Oui. Regarde qui c'était à la porte et l'autre, c'était ça. Bah oui, mais là je peux pas, tu. Je vais mourir sinon. Attends. Non, c'est bon, j'y vais. Quatrièmement.
Sarah? Cinquième manche. Coucou Sarah, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Bah, je l'ai laissé là, avec mes copines. Elle était censée venir me chercher. Je suis sortie, il grêlait. Je pensais qu'elle me dit j'arrive un instant. Elle est partie. Hier soir? Non, mais maintenant. Je viens de rentrer à pied du cinéma sous la grêle. Je suis trempée de partout, jusqu'à caille. Elle est où, maman? Elle t'a dit quoi? Elle est à la maison. Elle est censée venir me chercher. Elle est pas venue me chercher. Et elle veut aller au cinéma. Et du coup, voilà, j'ai dit, elle. Et du coup, j'ai dit, elle va aller voir ça quand il y a plus sombre. Et moi, me laisser avec Noël dans tous en scène pour nous séparer, je sais pas quoi, parce qu'elle ne veut pas aller voir le film. Du coup, j'ai dit, c'est bon, laisser tomber. Elle va aller voir toute seule. Super sympa, hein, franchement. Ma copine elle m'a proposé de me ramener, mais j'ai dit « Oh non, je pense que ma mère va arriver, du coup tout le monde est parti, je me suis retrouvée toute seule sur la grève, voilà. C'est génial, on adore. » Pourquoi t'es pas restée à l'intérieur du cinéma? Bah parce que moi j'étais juste censée sortir, je suis sortie avec mes copines, on a attendu près du parking, la mère de Pauline est venue la chercher, justement son père, les parents d'Emma ils sont venus la chercher, et tout le monde m'a proposé de Nathalie aussi, tout le monde m'a proposé de me ramener, mais j'ai dit non, ma mère va arriver. J'appelle maman. Elle a oublié. Elle est dans la douche et tout ça, du coup je suis sur. Et elle est partie avec les filles. Ah, elle va y aller quand même. Et tu vois, Sarah, le jeu là s'appelle For Honor. Il n'y a pas besoin de PSN pour y jouer, c'est la bêta. Elle se termine demain à 23h. Et toi, donc il y a trois factions, les chevaliers, les vikings et les samouraïs. Les samouraïs, leur empire, ils faisaient tout ça. Toute la partie là, les vikings, c'était à peu près là. Et nous, moi, lors des chevaliers, c'était la partie là. Juste le petit coin là, comme ça. Juste là, comme ça. Et eux, ils étaient les malins, ils écrivaient dans le chat à tout le monde, ils disaient « Oh, on va gagner, eux aussi, tout ça. » Au final, nous, on est remontés, on les a écrasés, on a repiqué tout ça en territoire. Et toi, par exemple, en territoire, eux, ils sont à plus zéro, les Japonais, ça. C'est un vrai massacre. Ils vont bien, les petits lapinous? Ça veut dire quoi? Ouais, pas bien. En plus, moi j'ai un problème dans le jeu, tous mes personnages c'est des filles. J'ai les chevaliers, regarde. Filles. Bon, à part lui, c'est un garçon. Mais il n'y a que lui qui est un garçon. Et, nul. Et sinon, c'est quasi que des filles. Je sais pas comment on fait pour changer. Regarde, ça fait bizarre. Regarde, un viking en fille. Regarde.
Genre toi, t'as le gros viking là, comme ça, tu vois. Et là, tu l'as en fille. Ça fait bizarre, je trouve. Elle t'a pas disputé à la maison, maman? Quoi? Elle t'a pas disputé? Disputé pourquoi? Je sais pas. Parce que généralement, elle crie. J'ai un pote à moi, lundi, il part au Japon, chez de la famille à lui. Il m'a dit, oh, je vais essayer de goûter le scorpion, les sauterelles et tout ça. Il m'a dit, si vous voulez, je vous en ramènerai. Sucette de scorpion. Après, c'est des fourmis et tout ça, il faut goûter, mais. Ah, j'imagine dans la cour, tu sais, il a sucette avec plein de fourmis dedans, d'où. Et donc, il me kifferait. Ah, c'est dégoûtant!